Bien plus pas, vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez ces ambiances où je suis avec Joël dans l'intro. En général, c'est un petit classique en approche, c'est un classique qu'on va essayer de vous répondre. On est au Break Villeurbanne, juste là. C'est un petit restaurant, vous avez capté un petit snack qui s'est fait connaître. Alors on est dans notre arc tacos, la dernière fois on avait... Voilà, la dernière fois on avait fait des tacos. Exactement, on avait fait des tacos à la marinade et tout, et on va rester dans cet arc tacos parce qu'aujourd'hui on est à nouveau là pour en faire, mais c'est des tacos qui ont une particularité. C'est des tacos qui sont très consistants, on va dire. Sont très consistants, ils sont faits par deux, mais vous allez comprendre. Ça va toi Joël, tranquille? Ouais, ouais, là je suis venu marquer mon point, je suis venu parce que là je suis mené 3-0 et là c'est l'arc remontada. Voilà. En plus, si je vais être tout à fait honnête, lors de la dernière vidéo, à la fin il y avait eu petit emménage de platinage et tout. Petit micmac qui lui ont fait pas de chance. Non, mais tu vois, moi je le dis dès le début, comme ça au moins tu ne m'en veux pas. Et tout ça, c'est cool. On va y aller. Et aujourd'hui, les amis, on va cuisiner des burgers tacos en direct du Break Villeurbanne. C'est parti. Vous connaissez la recette, les frères. On va aller faire des burgers tacos, mais pour pouvoir réussir à les faire, même si on a un petit peu d'expérience maintenant, on a de l'expé. Ça y est, on les a fait la dernière fois. On a fermé, on a pas triché. Hein. Là, enfin, triché, y en a qui ont eu des coups de pouce, quoi. Il dit ça alors qu'il a été aidé tout le long. Ah, bien sûr. Gros, t'as perdu sur les pizzas, t'as perdu sur le thaï. La dernière fois, la garniture. La garniture, c'était pas le gratinage. C'est vrai que c'était pas de chance, c'était pas de chance. Mais nécessairement, pour réussir à faire des burgers tacos, on va aller demander l'expertise. L'expertise d'un chef, celui qui a, je suppose, inventé la recette et qui va nous montrer comment la réaliser. Bonjour. Bonjour. Salam, ça va? Tout va bien? Ouais, salam, ça va et toi? Alhamdoulilah. Merci à toi de nous accueillir ici. Merci à vous. Ça fait super plaisir. Très content. Comment est-ce qu'on réalise un burger tacos de qualité? Ça, bon, je vous montre la recette qui marche le plus, et c'est avec de la viande hachée. Ouais, c'est du steak frais. En fait, c'est que du frais. D'accord, je laisse la viande cuire. Tac, tac. Regarde cette expertise, regarde cette expérience, monsieur. Comme ça, j'oublie rien. Tac. Faut être attentif, hein. Ouais, dis-moi, mortadelle avec. Tac. Donc toi par exemple tu mets pas la sauce avant? Non. Vu qu'en fait, vu que la chaude, genre ça va coller. D'accord. Ça va coller directement sur le. Okay. Tu as des différences d'expertise, des différents moyens de faire, tu vois. Tac. La petite sauce spéciale maison. C'est une petite sauce maison ça? Tac, yes. Ouh. Oh. C'est du ketchup au début, je me dis wow. On est en 1996 ou quoi là? Toi-même tu sais, le ketchup dans les tacos c'est le débat incessant. Ouais. Non, moi j'en ai pas trop. Moi je tiens à dire, c'est mec bizarre quand même. Ah voilà, la partie la plus l'une des parties les plus techniques. Mais on est sur un rythme industriel, hein, ça va vite, monsieur. Hein. Ouais. Oh, en fait, c'est avec deux doigts. Tac, tac. Ah oui, il a fermé ça vite. Ouais, ça me fait peur, là. Bon, c'est là la partie qui va. Ouais, non, t'inquiète. À chaque fois qu'on fait une vidéo comme ça, je demande au chef, n'hésite pas à nous assister. Ouais. Là, vraiment, le but, c'est quand même de réussir à faire un truc. C'est sur ce truc qu'on va bégayer. Non, t'inquiète, on va y arriver. Par contre, j'ai vu les petites tranches de mortadelle, là, sur le dessus. Ouais. Il est quelle heure, là, Joël? Tu sais que hier, j'ai mangé un giga tacos. Là, je sais pas si je vais enseigner. T'as mangé ça à quelle heure? Ouais, 1h du matin. Je regardais le tournoi Smash. Il est 9h30, hein. Donc c'est-à-dire que le mec, à 1h du matin, en sachant qu'on allait faire ça, il a dégommé un giga tacos. Ouais. Regarde, c'est petit tacos burger. C'est propre d'eau? Bah oui, monsieur. Tac. Je trouve ça stylé, la petite peinture comme ça, façon pâtisserie, tu vois. Tomate mozzarella dessus. Donc quand on vous dit tacos burger, on rigole pas. Ça, techniquement, c'est l'équivalent du pain. Hein. Ouais. Parce que qu'est-ce qui va être entre les tacos? Aïe. Moi, vraiment, je vais être avec toi. J'ai appris que les repas de la nuit par gourmandise, le matin, tu te réveilles, gros, t'as le ventre ballonné. Ouais, je suis ballonné du coup. Il était ballonné. En fait, je me suis couché quoi, vers 4-5 heures du matin, et tu sais, il y avait le tournoi Smash. Ouais. Tu sais, vu que c'est sur le continent, c'est décalé. Donc, je me suis dit, je vais manger. Et à la fin de la nuit, j'aurais plus faim, tu vois. Le mieux, c'est d'aller dodo. C'est d'aller dodo pour éviter de manger des bêtises. Regarde, avant que ça aille au four, le rendu des petits tacos là-bas, tu les fais en plus compact pour que ça serre un petit peu de pain, c'est ça? Ok, d'accord. Bon, en même temps, tu sais, c'est deux maxi tacos en forme de pain. Exactement, en fait. Ouais. J'essaie de faire un maxi tacos, mais ils vont assembler différemment. Ok, d'accord. Je vais faire un maxi tacos.
En même temps, c'est vrai que si les deux trucs, tu vois, ils étaient trop gros, ce serait beaucoup trop. Genre, la première fois où t'as pris deux petits tacos et que t'as mis un steak entre les deux, j'ai vu, des fois, tu mettais des œufs, je crois, de l'œuf, des trucs comme ça, et que t'as fait goûter à des gens, les gens, ils étaient là. Ouais. Ça, c'est bien. Justement, c'est là où c'est une technique. Ok, d'accord. Ouais, tu t'es dit, ouais, faut y aller. Moi, je tiens à noter ce petit détail là. C'est un des premiers détails que j'ai découvert quand j'étais gamin et que j'ai commencé à cuisiner. Le fromage sur le steak, si tu veux devenir comme Zach Nani. Bah oui, mais c'est terrible le fromage sur steak, c'est trop bon. Le cheddar quand t'as retourné le steak. Je me demande ce que ça va donner la tomate. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, dans un bon burger, un bon truc comme ça, la tomate, si elle est bien faite, elle est essentielle. Ouais, par contre, les oignons, t'en penses quoi? Oignons rouges ou confits? Non, mais les oignons normaux. Moi, j'aime bien, moi. Ah ouais, moi, j'aime pas. Toi, t'aimes moi, pas? Dans les Grecs, jamais d'oignons, moi. Ah oui? Ah ouais, jamais. Moi, c'est salade, tomate, Biggie Burger. En plus, toi, t'aimes pas ce qui est épicé, toi? Non. Genre, la sauce algérienne et toi, tu peux pas. Moi, ça me brûle, moi. Jamais ces gros gaillards. Même la sauce curry. Même la sauce curry, ça me pique. Alors, imagine-toi, la sauce algérienne, mec. Un jour, Maï, elle fait un riz curry pour Joël. Je vous jure qu'il a dit ça pique, il l'a pas mangé. Ouais, mais ça piquait. Ah ouais, j'aime bien ça. Ah ouais. J'aime bien ce que c'est je bien vois. Doudu, hein. Et à moi ces petits oignons, cette petite tomate, la mortadelle encore là-bas là. 9h30 ou pas mon gars, la convention de Genève ne sera pas respectée. Ça va en vrai. Ouais. Moi je me rappelle la recette. Le pain, donc la galette, la viande, les frites, la sauce. Donc, le point de passage qui me fait peur, c'est le moment fermé. Où tu le fermes, tu vois. Ouais. Parce que si tu le fermes mal, ça peut te faire un truc soit trop rectangulaire, soit un truc trop gros. Bien sûr. D'ailleurs, tu vas avoir des dislikes sur ta vidéo, mais moi, fruits de mer, moi j'ai déjà fait une pizza fruits de mer. Ouais, fais une tête bizarre à ta caméra. Fruits de mer quoi? Pizza, barbecue, fruits de mer. Incroyable. Barbecue, fruits de mer. Merguez, fruits de mer. T'en penses quoi? Barbecue, merguez, fruits de mer. Ah ouais, mon gars, c'était trop lourd. Barbecue, merguez, fruits de mer. Ouais, filmez-moi, c'est trop bon. Palette d'Oberman ici, fois. Quelle sauce, ça? Ça, c'est la Miami. Ok, c'est à quoi sauce Miami, je me permets? En fait, ça va ressembler un petit peu à la sauce algérienne, mais elle est légèrement sucrée. Très bien. Ah, okay. Oh. Est-ce qu'elle pique? Non, elle pique pas. Oh là 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 là. Validé pour Joël. C'est de terre, de pisser. Ok, super. Incroyable, le burger tacos. Oh là là, le seul et unique. Et c'est là où il faut pas que ça soit trop saucé parce que c'est mort. Ok, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Ouais, faut que ça reste... soit saucé, mais... C'est pour ça, genre petit et compact, genre. Voilà. Ok, je capte. Voilà. Tiens ça, petit. Le seul et vrai burger tacos. Un petit peu de persil, un petit peu de coriandre pour parfumer tout ça. Oh là 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 là. Pour avoir voyagé dans toute l'Europe, hein. Y a pas un pays qui touche les fast-food français, moi je vous le dis. Hein. Ou l'Allemagne? Non, pour les kebabs, oui. Oui. Ah, pour ça, ouais. Pour ça, là, dès qu'il faut commencer à mettre des cordons bleus, des trucs comme ça, on est un bâtard, frère. Bah, on est aux États-Unis, je peux te dire qu'il n'y a aucun fast-food américain qui va garer les États-Unis. Bah oui, je suis d'accord. Très sérieusement. Ça a l'air incroyable. Tu coupes en deux. Ok. Et il va falloir manger comme un hamburger. D'accord. Donc tu coupes en deux et tu manges comme un burger. Vas-y. Oh là là. Oh. Ah, monsieur Joël, ça c'est du bail, monsieur Joël. Prends ta photo. Bon, vas-y, écoutez, je vais y aller. Hein. Je vais me dévouer. Je vais me dévouer, c'est pour la bonne cause. Monsieur, je suis en train de envoyer ma photo là. On tient le truc du siècle là. Je te laisse prendre la tarte que j'ai pris. Attends, vas-y. Faut pas en faire tomber, monsieur. C'est bon. La petite sauce qui est au milieu, elle envoie de ouf. Hein. T'as vu? Ouais. Petite sauce sucrée comme ça. Il va faire du zoom sur mon visage, c'est ça. Non, non, t'inquiète. Mathéo traite bien Joël au montage, c'est important. Oh, c'est sérieux, hein? Eh ben, ça fait plaisir. Regarde, il continue. Eh ben, écoutez, les amis, maintenant qu'on a fait un super burger tacos, qu'on a vu comment on faisait le burger tacos, ça va être à notre tour de réaliser. Tu sais quoi, Joël? Toutes les vidéos, on a fait pierre, feuille, ciseaux et tout, machin. T'as toujours perdu, t'as toujours commencé. Je commence. Vas-y. Ça te va? Ouais. Comme ça, je fais les erreurs en premier, tout ce que tu veux, et t'essayes d'exploiter. Et si j'arrive à te gagner alors que j'ai commencé, t'as de moins en moins d'excuses pour toi, monsieur. Ça te va? Ouais, t'inquiète. Ah, c'est bon, ça mère. Hein. C'est parti, les amis. Allez, c'est parti. Petite viande hachée, les amis.
On pose sur la plaque. Voilà. Hop. Oula. Oula, monsieur. Après, vu que ça va se cuire, t'inquiète. Ça va se finir après. Ouais. Là, voilà. Hop. Les deux galettes, c'est parti. Petite escalope au milieu. Tac. Tu vois, avec parcimonie, on est là, on place les choses. Est-ce que j'en ai mis assez là, tu penses? Je peux en rajouter? Ouais. Rajoutons. Soyons gourmands. Soyons généreux. Soyons généreux, exactement. On va envoyer les frites par-dessus, c'est ça? Ouais, voilà. Voilà, comme j'avais vu, par-dessus les frites. Pas trop en mettre. Ok, super. Là, tu penses c'est parfait? Ouais, là, nickel. Vous voyez, en fait, c'est important de pas en mettre trop pour éviter que... Si vous avez vu, le burger tacos, là, il y en a deux. C'est big. Si à chaque fois, tu fais deux par pain, je pense que ça peut poser problème, tu vois. Donc, faut y aller peut-être gentil sur les quantités, tu vois. On va prendre la sauce fromagère, ici. Celle-là. Là-dedans. Allez, let's go. Sauce fromagère, c'est le glitch. Ouais. Le glitch. Le tacos, ça fait vraiment la diff. Hein. Hop là, regarde. Voilà. Le dosage a l'air carré. Monsieur Joël, on essaye d'y aller avec parcimonie, tu vois. Ouais, t'as raison. Parce que si tu mets une coulante, le truc va craquer la galette, tu vois. Ouais, tu t'en rappelles ou pas? Ouais. La galette qui craque parce que t'en as mis trop. Ouais. Je vais en remettre un petit peu quand même. Sinon, ça va être sec. Parce que bon, faut y aller avec parcimonie, mais faut pas non plus être un radin, tu vois. En plus, on paye pas. C'est le mec qui regarde le propriétaire, on paye pas. Maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'il y a besoin de mélanger? Il y a besoin de... Non, mettre la... En balle seulement, là. On veut voir les fruits. Monsieur. Voilà, on est bien. Alors, je vais juste regarder peut-être mon steak. Ouais. Est-ce qu'il y a... Ouais, yes. C'est ça? Essaye de prendre au maximum en bas pour que ça se défait. Comme ça? Ouais. Hop là. On va le tourner. Oups. Ouais, je pense qu'on va en envoyer. On va en envoyer un autre, je l'ai complètement raté. Hein. Ça, si tu veux, tu peux le mettre à l'intérieur. Ouais, on peut le mettre à l'intérieur. J'aime pas les mélanges steak poulet. Ah. Je pense que c'est moins un point là. Non, vas-y, oh, vas-y. Non. Ouais. Il est en train de l'aider. Non. Moi. J'ai juste mis la viande. Moi, monsieur, regarde, la viande a été mise. Je l'ai dit. Cette émission est truquée. À chaque fois, il a des coups de pouce. Mais monsieur, t'as pas été aidé toi pendant les vidéos qu'on a fait, genre? Je pense qu'il faut passer peut-être à la fermeture. Yes. Let's go. Comme ça. Voilà. Un petit mélanger. Hop. Comme ça. Yes. Ah voilà, là je m'en rappelle là. Voilà. Tu vois, comme ça, je m'en rappelle, il nous avait montré la dernière fois. Hop. Voilà. Voilà. Là on mélange gentil. Tac. Toi je me rappelle, t'avais fait ça. Voilà. Ok. Essaye de le remettre un petit peu tout carré à l'intérieur. Vas-y. Hop. Comme ça. C'est pas assez carré, tu penses? Ouais. Tu penses que je dois un peu... Ah, ok, voilà. J'ai capté. Voilà, ok. Comme ça, yeah. Ok. Faut le faire plus compact. Voilà. Allez, regardez, là, c'est compact. C'est un bon début ou c'est pas ouf? Ouais, ça va. Pour le moment, ça va. Ok, c'est pas ouf. Après, il faut que je fasse ça et que je remonte, c'est ça? Plutôt par en haut. Par en haut, je fais ça. Yes. Et je remonte. Faut que, en fait... Chaque côté comme ça? Voilà. Ah, ok. Donc, un premier côté comme ça. Le second côté comme ça. Ça va, c'est pas trop mal? Ça va. C'est pas ouf. Tu peux dire si c'est mauvais. C'est éclaté, faut lui dire. Hein. C'est éclaté, tu peux me le dire. Hein. Attends. On va faire de l'autre côté aussi. Tac. Et. Tac. Oui. Et. Ouais, c'est ok ou c'est pas ouf? Ouais, c'est un peu long. Non, en fait, je pense que ça, c'est un petit peu grand, toi. Tu veux bien me remontrer? Ouais, vas-y, remontre-moi. Je n'oublie pas le steak cette fois. Je le tourne là, voilà, tu penses? Ouais, essaye de le prendre au maximum en bas. Voilà. Là, je le retourne. Vu que c'est la viande fraîche, en fait, elle va vite coller sur la plaque. Oups. Yes. Voilà, bien cette fois. La petite tête, tu sais quoi? Vas-y, remontre-moi. Tu viens là. Ah, ok. Là, en fait, faut pas que ça dépasse, tu vois. J'ai capté. Faut que ce soit droit, ouais. Voilà. Tu prends comme ça. Avec deux doigts. Ah, et t'as retassé après, avant. Ok, c'est ce qui a fait que... Ok, excellent. Très bien. C'est pas très grave, c'est comme ça ici? Ouais, non, c'est pas grave. Vu que c'est du petit taco, ça va pas se... Ça va pas se ressentir, ok. Alors, toi, t'avais fait ça, je m'en rappelle. Ouais. Tac. Faut pas que ça dépasse de l'autre côté. Ouais, je vois. Là, comme ça? Ouais, voilà. Et là, je ferme? Voilà. Hop, et là ça dépasse pas trop, ça va? En fait, essaye juste d'appuyer un petit peu dessus. Ok, je vois. Et là, faut pas que ça dépasse. Ok, j'ai compris. Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà.
là comme ça. Voilà. Et là je peux fermer. Voilà. Oh, et après derrière, tu m'imites toi derrière là. Hop, encore une fois là. Ça va bien. Ensuite. Hop. Oh, pas mal là. Je retourne. Voilà, là, ça va mieux. Ça va. Ça va. Ça va. Après, juste. Gare à tes fesses, hein. Hey, moi, ça va être une masterclass. C'est moins ouf, je suis d'accord, mais gare à tes fesses. Masterclass, moi je prends pas, tu vois. Alors, juste avant, est-ce que je coupe la cuisson ici? C'est ok, tu coupes? Non, c'est ok. Tu peux mettre le petit fromage de cheddar, ou le raclette, c'est comme tu veux. Let's go, on va mettre petite cheddar pour Zach ici. Là, je suis content parce que les grenoblois, à chaque fois, ils viennent nous casser la tête avec les tacos et ils disent ouais, vous mettez des légumes, mais vous mettez des légumes, vous mettez des légumes. Les grenoblois? Faut un peu moins miauler dans les commentaires cette fois. Je peux ? Ouais, bah. Ah, les oignons confits un petit peu. Je vois que t'as d'autres légumes ici, là ? Ouais, c'est des poivrons. Hein. Ouh ! Là, tu peux en mettre. Je les aurais bien mis dans le tacos, moi, tu vois. Vas-y, mets. Tu veux en mettre ? Ouais. Ouais, 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 ouais. Le secret pic qu'on va mettre ici. Là. Ah, là, j'aime bien. Là, je me rappelle, tu avais fait ça. On met dessus. Yes. Faut personnaliser un peu la recette, c'est pour ça que tu vois, genre j'ai ajouté tu vois, le poivron pour pas qu'on fasse exactement ce que tu nous as montré, tu vois. Comme ça, Joël, après lui aussi, il personnalise un peu sa recette et on est bien, tu vois. Moi, je trouve qu'on est bien là, non? Ouais. Tac. Un peu de fromage en plus. Yes. Hop là. T'as vu, Joël, l'assurance qui se dégage de mes gestes? Non, mais t'inquiète pas, moi, ça va être une masterclass. Est-ce que c'est prêt à aller au four, chef? Ça y est, c'est prêt. C'est prêt à aller au four, on met au four, on va finir de faire ça à côté. Ouais. Le premier burger tacos de Zach. Ouais. Faites attention. Ah oui, la sauce, on l'ajoute après? Ouais, ouais, c'est ouais, ça à la fin. C'est après, let's go, let's go, let's go, let's go. Je me permettais. Il n'est pas assidu, c'est après la sauce Miami. Moi, j'ai tout, c'est une masterclass, j'ai tout dans mon. J'ai là, t'es chaud là? J'ai mon plan en tête. Comme d'hab, il a beaucoup parlé. Non, tu vas voir. Là, je suis chaud. J'aurais peut-être dû, et là, je viens d'y penser, mettre de la mortadelle dedans. C'est aussi le lot de passer en premier, mais je ne m'inquiète pas. Je suis serein, ça va le faire. Joël, avant que tout ça sorte du four, en ayant vu ce que j'ai fait, en ayant vu ce que j'ai mis dedans, la manière dont j'ai fait, tu le sens comment pour l'instant ma recette, objectivement? T'as pas fait d'erreur, juste pense quand t'as pris ta galette, t'as un peu merdé, sinon je vois pas de trucs bizarres. Et toi, est-ce que dans ta tête, tu as commencé à imaginer ce que t'as envie de faire? Le plan est carré, comme dans Metal Gear, je sais exactement. Comment je vais faire? Je vais mettre quoi? Tu vas voir. Let's go. Let's go, let's go. Ça fait plaisir. Tu vas liker quand je vais faire ma partie. Moi, tu sais quoi? Je serais content pour toi que tu gagnes. Ouais, après toute la triche, toutes ces magouilles. Après toutes les défaites que t'as pris. En plus, la prochaine, je pense, et il y avait un très beau restaurant indien qui nous a proposé de venir faire une vidéo chez eux. La prochaine fois, on fera indien. Ok, vas-y. Comme ça, tu sais, on fait l'arc tacos. Et après, derrière, petite vidéo indienne, tu vois. Vas-y, chouchou. Tu vois, on va aller manier les épices. Hein, les épices qui te font pleurer, là. Alors, ah, ouais. Aucun truc piquant, je te dis. Moi je suis fier. Hein. Et à quoi dans les sauces? J'aime bien la Miami. Je veux savoir si on a peut-être une autre, tu vois, peut-être que je puisse mixer. En fait, les sauces classiques. Ok, donc t'as les sauces classiques derrière? Non, ouais. Ah, dommage. C'est pas une sauce qui. Voilà. La Miami. Tu pleures pas si tu pleures et qu'il n'y a pas la Zach Biggie. A fait supprimer la Biggie. Zach sous les ordres, le bread sous les ordres de Zach. Oh bordel. Zach a fait supprimer la Miami. Ça me fait rire comment t'essayes de faire croire que genre il y a de la corruption contre toi. Ah, donne un billet. Hop là. On va mettre sur dessus. Oh là 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 là. Joël, c'est sans doute je vais signer ta main. Quand je pose. Faut que ça soit dans la viande aussi. Ok, d'accord. Très bien. Comme ça. Il faut que ce soit dans la viande également. Comme ça là à peu près. Voilà. Oh, ça rentre fluide, hein. Le burger tacos made in Zach. Avec un petit peu de. Voilà, à la fin, on termine gentiment. Hop. Comme ça. Je suis désolé, mais je trouve que ça a une bonne gueule. Joël, tu vas devoir essayer de rivaliser avec cette masterpiece. Il est l'heure de mettre la clim. Et là, ça va être l'heure pour Joël d'aller briller. Burger Tacos by Zach Nani pour vous servir. Joël, est-ce que je peux avoir des gosses, à ton tour, monsieur. C'est à ton tour de briller. Et à la fin, on goûtera tout ça. Moi, je vais me poser et je vais te regarder réaliser. Fais attention, ne stresse pas. Ouais, je veux bien des petits morceaux, ouais. Ok. À part si tu veux couper. Non, t'inquiète. Comme ça, on est à égalité. Rapidement, ça va, il va cut un peu. Des grands gestes. Regardez comment il est fier de lui. Je sais plus si je dois en mettre beaucoup plus ou... Ah.
un peu de frites. Pas être radin non plus. En fait, j'ai peur de trop blinder. Oh Joël, tu commences à hésiter là? Ah pas du tout, c'est juste pour vous en fait, j'essaye de voir les quantités qui vous font. Non franchement, je me permets, ça a l'air d'être ok, ça a l'air d'être bien là. La sauce. Celle-là. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Tech. Alors Joël, comme ça on oublie, on se fait aider. Oh, mais je ne comprends pas. Ça aurait été même bon sang. Hein. je dis. Hein. Oublie pas de personnaliser, tu peux ajouter des trucs, de la mortadelle, des trucs. De la raclette à l'intérieur, de la mortadelle. Ah ouais, moi par exemple, j'ai pas mis de fromage à l'intérieur, j'ai pas mis de raclette, ouais, j'ai pas mis d'oignon. Ouais, j'aurais pu. Hein. Ouais, je vais en mettre là. Yeah. Je peux le couper pour éviter Ouais. Bien. Tu vois, j'ai des techniques déjà. Je suis un technicien. Tac, tac. Ensuite, on va fermer, on va passer à la fermeture. Ah non, d'abord on mélange. Ensuite, ça faisait. Ouais, il m'a dit faut pas que ça dépasse. C'est ce que je craignais. Ah, quoique. Attends, mais tu es pas mal, là. Non, Joël. Ouais. Continue, mais... Je suis impressionné. Je suis impressionné. Franchement, rien à dire. Non, mais... Plutôt dans l'autre sens. Ah, plutôt dans l'autre sens. Voilà, ouais, voilà, comme ça. Par contre, là... Pour que ça soit un peu plus genre plus compact. Ouais, plus compact. Ils sont jeux là. Ces jeux là. Il a dégainé un 501. Alors tu m'as dit. C'est plus de prendre comme ça, c'est pour plus de passer du coup. Ouais. Voilà. Essayer de bien passer. Ah ok, d'accord, j'ai la technique. Tu veux démarrer, ouais, je vois. Je l'ai prévenu. Voilà. Hein. Franchement, je l'ai prévenu que son steak était en train de cramer. Hein. Attends, mon. Je suis un chic type, hein. T'as vu, Joël, moi, je te préviens pour pas que tu fasses moi, des erreurs. Hein. Tu vois? Moi, j'ai regardé avec un sourire le steak en train de cramer. Tu vois, il y a les personnes droites et sûres d'elles, et puis il y a les petits bâtards là-bas. Oui, oui. Oui. Regardez, steak main gauche et tacos main droite. Mets-le à gauche de la... Je crois que la gauche, elle est pas allumée, c'est ça? Mets-le à gauche si tu veux ton steak. De quoi? Ah, je veux dire à gauche de la plaque. C'est pas allumé là-bas. Ah, ok, d'accord. Voilà, comme ça t'es serein. Parce que je vois là, le boug, il est... Le raclo, il est stressé. Non. Après, il y avait la sauce. Ouais, non, la sauce, c'est après ça. C'est après? Non, c'est bon. Là, ça va dans le four, monsieur. Yes. Tu vois, moi, mon seul regret pour l'instant, c'est que les tiens, ils ont l'air très bien. Mon seul regret, c'est que j'ai pas assez personnalisé mes recettes, je trouve. Ah, à l'intérieur, j'aurais pu ajouter la chouka, les oignons à l'intérieur. Tu vois, un peu de magie, j'y ai pas pensé. C'est de ma faute. L'entrée dans le four. Ça y est. Et maintenant, on va t'occuper de ton parpaing là-bas. Ouais. Vous aimez les steaks avec du sang bizarre, là, des cannibales. Moi, j'aime bien le steak, c'est bien. Ils sont bien cuits. Pas de tomates, pas d'oignons. Non, non, non. Ok. Genre juste steak, mortadelle, cheddar. Ça m'a déjà porté préjudice de faire un truc trop simple. Après, oignon, je sais pas ce que ça peut donner. Bah, tu l'as goûté là. J'aurais dû penser à mettre peut-être de la salade, non? Ouais, mais le après à la fin sur le tacos par exemple. Ouais. T'es salade. Okay, toi, supplément salade. Petit supplément salade. Ah, t'inquiète pas, gros. Un supplément d'âme dans le sandwich. T'inquiète pas, un petit supplément salade, ça va faire la vie. Regarde comment ça brille. Je sais que t'as faim. Oh là là! Ça a l'air incroyable. Oh, le tacos du bas, il est bien fat. Non, mais ça, c'est là où le steak va se reposer, en fait, tu vois. Et ça, c'est au-dessus. Ça, c'est le support pour que tu puisses tenir. Tout est calculé. Oh, le tacos, il est bien fat en bas, attends, regardez. Là, t'as quoi comme sauce? C'est à Miami, ça. Après, si tu veux en mettre une autre, en plus, peut-être. Si tu voulais mettre une autre sauce, tu voulais mettre quoi? Je sais pas, non, c'est vrai que t'as pas Biggie parce que Zach a dit enlever Biggie. Mais bah après, je sais pas, peut-être de samouraï, sauce blanche, si tu veux. Après, samouraï, ça pique. Hein. Ouais, ça pique.
Donc sorti des sauces qui piquent pas en réalité. Voilà, là ça va là. Voilà, c'est bon. Ouais, je vais pas trop mettre. Et voilà. Tu peux mettre un peu de salade peut-être. Ouais. Un petit peu de salade. Parce qu'ici on mange équilibré. J'ai dit qu'il est là quand j'ai dit qu'il attaque. Il t'a dit ça, puis il s'est retourné vers toi, il était mort de rire. Wesh! Oh, le lit de salade! Ça, c'est un vrai lit, ça. Ah, la rêve! Oh, la rêve! Toi? Ah, ouais, toi, t'y es allé franco! C'est la force du biceps. Fitness Park. Oh là 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 là! T'es content? Bien sûr que je suis content. Oh là 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 là. Ouais, Joël, moi je trouve que le tien, il a quelques défauts quand même. Hein. Oh, le haineux. Oh là 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 là. On est pas trop. Voilà. Y'a ça, mec. Les amis, les plats sont terminés, vous les voyez, mon burger tacos ici, bon ok, il a eu le temps de refroidir un petit peu, mais c'est pas très grave, franchement c'est léger, le burger tacos de Joël, je dois dire que je me permets, mais visuellement le tien il a le lit de salade là, je suis pas convaincu tu vois. Quoi? Non, non, oui. Moi je trouve que tu sirves. Ah, moi je trouve. T'aimes bien toi? Moi j'aime bien, je trouve que ça a un petit charme. Donc on va goûter, on va se permettre de faire goûter également. Ouais. Donc on va être départagé par le chef, départagé par Alex ici même qui va également nous dire. Et peut-être si besoin, tu pourras départager si besoin Zermassia 1-1, tu vois, pour oui, donner le bon, point il en plus. Voilà, il est gentil. Zéro corruption, on s'en fout. Genre si vous avez préféré celui de Joël, il n'y a pas de problème. Si vous avez préféré le mien, vous le dites. Je dis ça parce qu'après il va miauler, c'est toi qui fais la vidéo, t'es con, ils sont corrompus, ils sont corrompus. Il lâche des billets. Donc si vous avez préféré celui de Joël, vous y allez, il n'y a aucun souci. Mais là, ton lit, il est très big. T'inquiète. Bon, chef, tu goûtes et tu nous dis? Allez. Allez, c'est parti. Le chef va nous départager. Alors, prends en compte le mets, il a un peu refroidi, je pense, mais en dehors de ça, franchement, je suis assez content de la réalisation. Regarde, Joël, le sandwich qui va te faire perdre. Là, aujourd'hui, j'ai mon point, gros. Aujourd'hui, tu penses à ton point? J'ai mon point, frère. Let's go. Allez, le chef, le créateur de la recette, il va pouvoir dire un avis objectif. Il est satisfait! Il est satisfait! Attends, attends, c'est fini! J'ai rien dit, moi, j'ai dit, il est satisfait! Sa tête, elle met la pression, il a l'air content! Il a l'air content, hein! Moi, je laisse les clients contents, tu vois, c'est important! Ah, le tien, il a l'air fat quand même, mon Joël, hein! Oh là 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 là! Non, il a l'air bien, je veux dire, quand je dis fat! Hein. Ouais, non, oui, oui! Toi, il fume encore et tout là! Ah, il fume, oh là là! Oh là 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 là! Monsieur! Ah là 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 là! Eh, je suis moins serein là, tu vois! Un peu timide le croc là. Non, bah oui. C'est chaud parce que c'est chaud. Ah oui, je comprends, je comprends. Il est trop bon lui. Il influence les autres. Mais attends, t'as pas beaucoup mangé, dis non. Mais t'as pas l'appétit. Joël est un bâtard parce que quand j'ai dit timide le croc, c'est en mode goûter plus. C'était plutôt pour ça. Ah ouais, mais. Bah oui, c'était pour ça. Il parle d'appétit. Il faut un verdict. Lequel vous avez préféré, le mien ou celui de Joël? Franchement, les deux. C'est juste que j'aime pas trop la salade dans les tacos. Ok, donc. Est-ce que je n'avais pas parlé à propos de ce lit de salade? Alex, j'en ai parlé ou pas? J'ai parlé de ce lit de salade. Ton lit de salade. Mais pour moi, il a argumenté. C'est vrai. C'est vrai. Bien. Alex. C'est à moi? Bah oui. Je te laisse aller, tu dis celui que tu préfères. Il n'y a pas de souci. Tu as le privilège, tu envoies. Oh là. Là, on est sur du bien consistant, du bien costaud. Ça va, Joël, tu es stressé? Oh, il a tapé un gros croc, là. Hein. Ouais. Oh, Joël, ouais. Il est stressé de ouf. Moi, je veux gagner. Il est stressé, le raclo. Pour moi, il y a un petit côté piquant dans ton tacos. Ouais, ça, c'est pour relever le goût, t'inquiète. C'est pour relever le goût, t'inquiète. Ouais, pour moi, la salade, c'est quand même différent. Ouais. Dans le bon? Bah, dans le bon sens, d'accord, mon point, Joël. Tu vois, Joël. Le pénalty décisif. Au milieu de tout ça, pour le dernier, on va mettre un petit challenge, un petit bail. Le dernier va être goûté en mode bandé. Comme ça, c'est pas lequel c'est et ça peut être intéressant. Je peux goûter le tien, Joël? Tu me permets. Fais-toi plaisir, mange à ta faim, mon grand. Tu me permets. Fais-toi bon plaisir. Allez. Et gosie-toi. Qu'est-ce que t'en penses? Pour être honnête, Joël, j'aime beaucoup le tien. Ça fait 2-1 pour moi, je rigole. Oh le bâtard. Mais attends, je goûte le mien. Quand tu vas goûter le mien, faut y aller franco, parce qu'il y a des poivrons. Et les poivrons font une diff de ouf. Vas-y, viens t'asseoir. Bon, on va faire.
Ah, c'est pas, tranquillement. Mais voilà. Après les assiettes, on va les mélanger. Ouais. Ah, je voulais influencer les autres. Hop là, petit masque. Non, il voit pas, il voit pas. Quel est saveur qui compte? Oh, les bourbiers. Oh, regarde, il a envoyé un croc. Oh, il a envoyé un croc. T'as vu le croc qu'il a envoyé? Ah, ça, c'est du vrai croc, frérot. Oh, le croc. Ah, il t'a respecté. Hey, si t'as kiffé, remange. Hein, oh là là, mais il nous fait honneur. Il envoie des crocs de fou. Il nous fait honneur, ça fait trop plaisir. Eh, ça fait trop plaisir, il est là et il envoie. C'est pas de la comédie. Votre verdict, le plus honnête et le plus franc. Quel tacos est-ce que vous avez préféré? Celui de Joël ou alors Zach? Je préférais celui-là. Vous, t'as préféré celui de Joël? Il était bon aussi, hein. Il était bon. Voilà, victoire. Bravo Joël! Bravo Joël qui a remporté. C'est quoi qui a fait la différence pour toi? C'est qu'il y avait. En fait, il y avait beaucoup de sauce et ça passait bien. Ok, j'en avais plus de sauce dans le cerf, donc t'as préféré? J'ai dit la remontada, la corruption, c'est terminé! Ah, mais c'est bon, t'es content, t'as pas remporté ton premier point? Enfin, un point là, putain! Ça fait quatrième vidéo, frère! Quand, hey, quand t'as perdu le premier point, t'étais abattu, mon pauvre! Je suis comme Michael Jordan, j'ai envie de pleurer là, avec la coupe! Félicitations, mon frérot, ça fait plaisir! Bravo à vous! Et merci encore au Break Villeurbanne! Venez tout le temps, Break! De nous avoir permis de faire cette vidéo! Dédicace à Davos, c'est toi qui nous a fait découvrir! De ouf, de ouf! Ouais. N'hésitez pas à passer au Break Villeurbanne si vous passez! Dites que vous êtes venu grâce à la vidéo et tout, c'est trop cool, ça fait plaisir! Ils sont gentils, ils nous ont accueillis, ils nous ont mis dans des bonnes conditions pour faire cette vidéo! On espère qu'elle vous a plu! Si elle vous a plu, bah n'hésitez pas! Je pense que la prochaine, on ira faire chez l'Indien, voilà, un petit Indien, histoire d'envoyer des épices, des trucs qui piquent comme Joël aime, ça fait super plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine, les amis. Ciao, ciao!